Au début, le palais s'est composé d'un seul étage. C'est l'ancien propriétaire, Filippo Bacile, qui a décidé de le surélever d'un nouvel étage, sur laquelle façade frontale, il est possible d'admirer encore 8 élégantes arcades. Il a un imposant portail du XVIIIe siècle, avec les blasons de la famille, et il présente les traits distinctifs du baroque tardif napolitain. À l'intérieur, il a des pièces spacieuses, autrefois somptueusement meublées. Ils accueillaient un musée privé avec des tableaux d'auteurs, des matériaux archéologiques et des spécimens d'espèces de fonds marines.